La sua terra se n'è andato, per giorni ha camminato, lontano dalle sue radici, da solo e senza amici, ma è rimasta dentro il cuore la voglia di tornare per ritrovare quell'amore che aspetta. Casa cavallero, cavalcando il tuo destiero, nella nebbia della sera, stai seguendo una chimera, torna a casa cavallero. Passando la radura, cavalca senza paura, lasciando dietro tante storie di gioia e di dolore. Cavallero, cavalcando il tuo destriero, nella nebbia della sera, stai seguendo una chimera, torna a casa cavallero, segui fiero il tuo sentiero, sventolando il tuo sombrero, ritorna mio cavallero. Cavallero, cavalcando il tuo destriero, nella nebbia della sera, stai seguendo una chimera, torna a casa cavallero, segui fiero il tuo sentiero, sventolando il tuo sombrero, ritorna mio cavallero. Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp, j'espère que vous allez bien. On fait une danse qui s'appelle Caballero, a Spanish Gentleman. Alors, c'est une chorégraphie de Ira Wisebird. C'est une danse qui a 64 temps qu'on fait sur quatre murs de niveau intermédiaire.
Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de tag, autrement dit. Par contre, il y a un restart sur le troisième mur. On fait les 32 premiers temps et on fait un restart. Alors, on commence avec première partie. On débute avec le pied gauche. Je le compte un petit peu différemment de la feuille. On commence avec pied gauche avec la boîte. Donc, c'est en avant, côté, ensemble, en arrière, côté, ensemble. Donc, on va dire 1, vite, vite, 2 et vite, vite. Donc, sur la feuille, c'est 1, retenue 2, 3, 4, 5, retenue 6, 7, 8. Alors, si on refait avec ma façon de compter, ça fait 1, vite, vite, 2 et vite, vite. Deuxième partie, on va de côté, légèrement en diagonale à droite. Et on va croiser en avant avec le pied droit. On fait croiser sur place, sur place. Donc, on reste dans le coin. Rendu ici, on va balancer de côté avec le pied gauche. Côté et on pivote un quart de tour à droite. Donc, on a fait la deuxième partie. La troisième partie, on va en avant, pied gauche, lent. Et on fait un lockstep, vite, vite, lent. Et on va tourner un quart de tour à droite. Donc, on fait en avant, pied gauche, sur place, pied droit. Alors, si on compte les trois premières parties, 7, 8, ça fait 1, vite, vite, 2, et vite, côté, 3, croise en avant, vite, vite, 4, balance et quart de tour, vite, 5, lockstep, vite, vite, 6, quart de tour à droite, vite, vite, et on est rendu sur le mur arrière pour la quatrième partie. Alors, je vais le faire sur le mur en avant, ça va être plus facile pour vous, et on va le compter comme la feuille rendue ici. Donc, on croise en avant avec le pied gauche, on fait un grapevine, donc croise en avant, côté, croise en arrière, et on fait un éventail, ce qu'on appelle en anglais sweep. On croise en arrière, côté, croise en avant, et on pointe de côté le pied gauche. Donc, si on refait seulement la quatrième partie, on débute avec le pied gauche. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cinquième partie, on débute avec le pied gauche. Et on va aller en avant en croisant en avant du pied droit. Donc, on fait croiser, on pointe de côté le pied droit. On croise en avant du pied gauche et on pointe pied gauche. Et on fait un jazz box cross. Donc, on va croiser en avant avec pied gauche. On recule pied droit, côté pied gauche. Et on croise en avant avec le pied droit. Alors, donc, si on fait les cinq premières parties, les deux dernières vont être sur le mur opposé. 6, 7, 8, 1. Et vite, vite, 2. Et vite, vite, 3, croise en avant. Vite, vite, 4, on balance. Vite, vite, 5, lockstep. Vite, vite, 6, quart de tour. Vite, vite, 1, 2, 3, éventail. 5, 6, 7, pointé. 1, 2, 3, jazz box. 5, 6, 7, croisé, 8. Prochaine partie, la sixième partie, on va de côté et on fait une cinquième. Donc, on revient au lent. Vite, vite. Donc, on fait côté lent. On fait une cinquième en arrière. Donc, en arrière, sur place. On tourne un quart de tour à droite en avançant pied droit. Donc, on fait lent. Et on va balancer de côté. On fait côté, sur place, en faisant un déhanchement. Ce qu'on appelle en anglais sway. Donc, sway, sway. Donc, on va de côté pied gauche, lent, en arrière. Vite, vite. Quart de tour à droite, lent. On balance côté, vite, vite. Rendu ici, on va répéter la cinquième partie, donc croisé, pointé, et on fait un jazz box. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 jazz box, 5, 6, 7, croisé, 8. Et on refait des cinquièmes, mais de chaque côté. Donc, on va faire lent de côté pied gauche. On va en arrière sur place. Donc, en arrière sur place. Même chose à droite. Lent, on fait une cinquième en arrière, vite, vite, et on repart le deuxième mur. Donc, on fait la boîte. Okay? Donc, on repart du début. Alors, si on fait toutes les parties, 6, 7, 8, 1, et vite, vite, 2, et vite, vite, 3, croise en avant, vite, vite, 4, balance côté, vite, vite, 5, lockstep, vite, vite, 6, quart de tour, vite, vite, 1, 2, 3, éventail, 5, 6, 7, pointé, 1, 2, 3, jazz box, 5, 6, 7, cette côté cinquième, lent, et vite, quart de tour à droite, lent, on balance, vite, vite, 1, 2, 3, 4, jazz box, 5, 6, 7, 2, cinquième, lent, en arrière, vite, vite, lent, en arrière, et on fait le deuxième mur. Alors, si on fait le deuxième mur ensemble, 6, 7, 8, 1, et vite,
deux, et vite de côté, trois croises en avant, vite, vite, quatre, on balance de côté, vite, vite, cinq, lockstep, vite, vite, six, quarts de tour, vite, vite, un, deux, trois, éventail, cinq, six, sept, pointé, un, deux, trois, jazz box, cinq, six, sept, côté cinquième, lent, et vite, quart de tour, on balance de côté, vite en avant, pointé, un, deux, trois, jazz box, cinq, six, sept, deux, cinquième, lent en arrière, vite, vite, lent en arrière, et on fait le troisième mur, donc la boîte. Alors, sur le troisième mur, on fait seulement les 32 premiers temps, donc les quatre premières parties, et on fait un restart sur le mur avant. Donc, si on le fait ensemble, la boîte 1, vite, vite, 2, et vite de côté, 3 croises en avant, vite, vite, 4, on balance quart de tour, vite, lockstep, vite, vite, 6 quarts de tour, vite, vite, 1, 2, 3, éventail, 5, 6, 7, pointé, et on fait le restart, donc on repart du début. On refait la même chose. Okay? Alors, pour la finale, on est sur le mur de gauche et on fait la première partie, donc la boîte 1 et vite, vite, 2 et vite, deuxième partie, 3 croisés, vite, vite, on balance et vite, vite, on va aller en avant en croisant et on met les mains de chaque côté. Au niveau des mains, c'est une finale très personnelle. Donc, si on refait la finale, on repart du début, donc 1 et vite, vite, 2 et vite, vite, 3, croise en avant, vite, vite, balance de côté, vite, vite, 5. Alors, merci beaucoup et bonne danse. Hey guys, this dance is called Caballero, a Spanish gentleman. It's choreographed by Ira Weisbird. It's a 64 count, 4 wall, intermediate level line dance. So there's no tags in this dance. And there's one restart on wall 3. You do the first 32 counts and you do a restart. So let's start with section 1. We start with the left foot and we do a rumba box. So you go forward with the left and you hold, then side together. You go back with the right and you hold, and then side together. Section 2, you start with the left. You go side and you hold, slightly turning diagonal to the left. And then you cross over the left with the right. So cross, recover, cross, and you hold. Then you go side with the left, and you turn a quarter turn to the right as you recover on the right foot, and you hold. So let's do the first two sections with the counts. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Section 3. You go forward with the left, so one, you hold at two, then you do a forward lock step, so step, lock, step, and you hold, then you go forward with the left, and you do a quarter right turn pivot, so you go forward, and as you recover on the right foot, quarter turn to the right. Then you do a circle weave, so you cross over the right with the left, so cross over the right, side, behind, and you sweep with the left, and then you go behind, side, and you cross over the left, and you point on the side with the left foot. So let's do the first four sections with the counts. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, sweep, 5, 6, 7 point. So let's do the section 4 facing 12 o'clock. So the circle weave, 7, 8. 1, 2, 3, sweep, 5, 6, 7 point. Section 5, you cross over the right and you point on the side. So you cross over the right and you point on the side with the right foot. You cross over the left and you point on the side with the left foot. It's the tango part. Then you do a jazz box cross, so you cross over the right, back, side, and you cross over the left. So let's do only the last section, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Section 6, you go sideways, you do a nightclub step, so you go side, and you go back, so you go back and you recover.
Then you do a quarter turn to the right. As you do a step forward with the right foot, and you go to the left, so side, recover, so you sway, sway. Okay, so let's do only section 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So as you can see, you hold. So 1, hold at 2, 3, 4, 5, hold at 6, 7, 8. Section 7, you do the tango steps again, so you cross over the right, you point on the side with the right. You cross over the left, you point on the side with the left, and you do a jazz box again, jazz box cross, so cross, back, side, cross. And you do two nightclub steps for the section 8. So 1, you hold at 2, 3, 4, 5, you hold at 6, 7, 8, okay? So let's do the 8 sections, but there's a few sections that you will be on the opposite wall, okay? So let's start from the top. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, sweep, 5, 6, 7, point. 1, 2, 3, jazz box, 5, 6, 7, 8, nightclub, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, jazz box, 5, 6, 7, 8, nightclub, each side, 5, 6, 7, 8, and you're back to section 1 on wall 2. So let's do wall 2 together. We start with the rumba box, starting with the left. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, sweep, 5, 6, 7, point. 1, 2, 3, jazz box, 5, 6, 7, 8, nightclub, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, jazz box, 5, 6, 7, 8, nightclub, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And you do section 1 on wall 3 facing 6 o'clock. So on wall 3, you only do the first 32 counts and you do a restart. So let's do them together. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, sweep, 5, 6, 7, point. And you do a restart, so you start from the rumba box, okay? So for the ending, you will be facing 9 o'clock. You will do section 1 and the beginning of section 2. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So section 2, section 1 and section 2. And then you go forward, slightly crossing over the right foot, and I put my arms each side, but the arms is very personal, okay? So let's do the ending. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So I hope you enjoyed learning this dance with me. So take care and be safe.